And any man who knows a thing knows he knows not a damn thing at all. And every time I felt the hurt and I felt the giving getting me up off the wall, I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breathe. Bonjour à tous, ici Legendar45 et on se retrouve sur mon let's play, donc sur Batman Arkham Asylum. Donc c'est déjà l'épisode 11. Et donc, on va commencer maintenant. Alors, c'est parti. Donc, je fais la sauvegarde. Alors, je vais changer donc mon système de découpe des vidéos. Ce ne sera plus par session, mais bien par épisode, mais gros épisode. C'est-à-dire, avant, j'ai eu pas mal de critiques sur ma découpe de mes vidéos. Comme quoi, ça cassait l'action, ça casse aussi les paroles quand je parlais, des trucs comme... Et à peu près des trucs comme ça. Donc j'ai décidé que je vais changer ça. Et je vais faire des épisodes assez un peu plus consistants, d'à peu près 3 minutes. Et qui seront dispatchés dans la semaine. Donc à peu près 3 épisodes de 30 minutes. Ça représente 1h30, ce qui est pas mal. La découpe sera beaucoup plus propre puisque l'épisode commencera comme là j'ai commencé. Et se terminera comme si c'était un épisode, une fin de session. Donc je vais faire en sorte que ça soit beaucoup plus consistant. Ensuite j'ai eu d'autres critiques comme quoi je parlais pas assez. Ça aussi je vais le régler. Donc je vais essayer de parler un peu plus. C'est bizarre. Les virements sur le compte du docteur Young ne se sont pas arrêtés. Ils ont été refusés. Il y a du blabla aussi. Le docteur a bloqué son compte. On dirait qu'elle a changé d'avis. Elle a tenté de bloquer les paiements. Le Joker n'aime pas que ses partenaires l'abandonnent. Alors, il a décidé de revenir à Arkham, de trouver la formule et de créer l'armée lui-même. Exactement. Voilà. Je vais éviter de parler pendant les dialogues parce que sinon on m'entendra peu et ça va se faire quelque chose d'absolument dégueulasse. On peut aller là-haut. Cette zone n'est pas stable. Trop dangereux pour le grappin. Je vais devoir grimper à l'ancienne. Comment ça à l'ancienne? Les briques tombent en ruine. Le grappin ne marchera pas. Je vais devoir grimper tout ça. Alors, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Je vous le redirai si ça me revient. C'est assez gênant même, que j'ai oublié. Alors je vais essayer de pas perdre mon trou. Ah c'est gênant. Ah, je voulais dire quelque chose mais je sais plus ce que je voulais dire. C'est très désagréable. Je sais pas où il faut aller. Ah si. Alors oui, j'ai changé par contre certains paramètres. Deux emails sortent du lot. D'abord une lettre de démission de la semaine dernière. On dirait que Young a voulu fuir. Et le deuxième? Un message du Joker, enfin, de Jack White. Il est long. Elle le supplie d'arrêter l'expérience. Lui dit que c'est trop dangereux. Il ne l'écoute pas. Voyons. Des menaces à sa famille, quelques blagues vaseuses, la photo d'un bébé mort, et une menace. Continuez. Il lui dit qu'il vient la chercher. Qu'il veut ce qu'il a payé. Puis, une blague sur les chaises roulantes. Charmant. Et le dessin d'un âne. Pas étonnant qu'elle soit terrifiée. Je remonte à la surface. Je la trouverai. Donc oui, je disais donc que en fait j'ai changé les paramètres de frappes. Donc avant je tournais en 60 fps. Mais le problème c'est qu'il y avait souvent quelques petits lags. Donc normalement ça devrait arrêter le problème du lag. Donc vous me le signalerez si ça continue toujours. Hop là, donc espérons que ça va faire quelque chose utile. Voilà, hop, je vais prendre le premier. Tais-toi. Voilà. Bon. Je continue de grimper à l'ancienne. Mmh.
Je vais faire comme ça, je vais sauter. Là. Je pense qu'il faut que j'aille de l'autre côté. Hop là. Et encore un trésor. Alors. Facile ! Un aveugle aurait très touché sur celui-là. Hop là. Allez, hop, c'est parti. Où est-ce que je peux aller? Je peux descendre. Attends, non, je suis con. J'ai un poteau devant moi. Je peux monter là. Donc là. Parfait. C'est perfect. Et je raconte de la merde. Vous allez dire ça change pas d'habitude. Oula, là ça a l'air un peu loin. Je vais essayer, je vais tenter, mais je pense que je vais me rétamer la gueule. Ça va être magnifique. Allez, hop, c'est parti. Ce que je pensais. Bon, bah un epic fail en direct. Enfin, en direct si je puis dire, parce que vous n'allez pas l'avoir en direct. Allez, hop. Je vais remonter. Je sais pas comment je vais pouvoir le choper, je pense qu'il faut aller plus haut. Ah bah tiens, j'avais pas vu ça. Tais-toi. Allez, hop, c'est parti, on continue. Léger lag et qui pas causé par frappe ça. Bon, alors ok, ah. Une piécette. Séance de patient enregistré numéro 2. Nom du patient: Willow Jones, alias Killer Croc. Est-ce que c'est la partie où tu essaies de me raisonner? Tu trouves pourquoi j'ai fait ça, Doc? Nous sommes là pour vous aider, Monsieur Jones. Alors, t'as un traitement pour moi, Doc? Tu peux me rendre normal? Normal est un mauvais choix de mots. Personne n'est vraiment normal, n'est-ce pas? Si tu le dis, alors qu'est-ce que tu dis de ça, Doc? Tu me laisses partir maintenant? Et je ne te mangerai pas. Vous ne mangez pas vraiment les gens. Ce n'est qu'une légende urbaine. Tu crois? Continue à le croire, Doc. Ok, complètement fou. Donc Killer Croc est quand même pas mal atteint. En même temps, vu son apparence... Alors... Bidou. Alors je continue de monter. C'est parti mon kiki. Je vais aller. Ce mur m'a l'air trop peu résistant. Je suis sûr qu'avec un petit coup de... Oh le joli bleu. Ah, plus de mur. Ah, je savais bien qu'il y avait un mur en trop. Wow. C'est peut-être une mauvaise idée de sauter là. Alors. Je vais continuer à regarder. D'accord, s'il y a des trucs à toi. Donc, il y a... Ding dong, c'est encore le Joker. On dirait que les malfrats du Black Gate ont accès à l'arsenal. Ah ah, qu'est-ce qu'il est marrant. Alors, je crois que lui là-haut... Hop, je vais essayer de le descendre. Si je puis dire.
Ah. Ah, je suis trop nul. Ah, je suis une merde. Non, bah je vais y aller à l'ancienne méthode. Il est out. Merde, je l'ai repéré. Oui, donc lui, comme vous avez pu l'entendre, hein, je suis malade, hein, c'est... Donc ça c'est fait. Donc lui, il est, hop, il est dézingué. Il est où l'autre? Merde, il est là. Et je suis pas doué parce que je l'ai raté. Lui, il est à où? J'ai pris très cher. Il y a une bobine là. Allez. Oh non. Évidemment. Bon. Entretien avec un patient enregistré. Le sujet n'a aucun nom connu, inscrit sous le nom du Joker. Le directeur Sharp et moi-même, le docteur Young, sommes présents dans la pièce. C'est encore un de ces tests d'évaluation psychologique ennuyeux. Non, ce n'en est pas un. Donc, vous êtes le célèbre Joker. En chair et en os. Alors, Doc, vous voulez que je regarde les taches dans le concours? La première représente le chat que j'avais étant enfant. La seconde est... voyons voir... un éléphant mort. La troisième... très drôle. Laissons tomber les blagues. Laisse tomber les blagues. Hé, hey, Chappie, elle n'a pas eu mon dossier permanent. Du calme, le clown. Chaque docteur qui vous a interrogé conclut à une psychose différente. Allant de multiples désordres de la personnalité au... eh bien, ma liste est interminable. Je fais de mon mieux. Eh bien, je n'y crois pas. Tout peut être guéri avec le traitement approprié. Et vous pensez pouvoir me guérir? Oh, oh. Je sais que je peux. Oh, oh. Appelez le guérir. Guérir le Joker. Quelle bonne blague. Je sais pas ce qu'elle avait pris, mais... c'est pas bien net. Ah ah. Hop. Voilà. Je mange le poteau pour éviter. Ah, là maintenant je peux courir. Vas-y, cours un peu. C'est parti mon kiki. Je vais... OS. Ah, je l'ai OS. Et vas-y, ça c'est du kill avec du style. Il y a strictement rien dans cette salle. Alors, où est-ce que je dois aller? Ça, ça va me le dire tout de suite. Ok. Ok, ok. Faut que j'aille par là.
par là. Pour la baston. Allez, tata. Tu vas. Un petit coup de poing. Hop. Voilà. Toi, tu sais pas jouer avec un couteau, mec. J'ai gravé mon nom sur. Essaye de mettre la caméra pour mieux placer. Comment il va? Oh, tu m'as touché, bien joué! Aha! Aha! Je vais le déstabiliser alors. Coucou. Bon bah, ceci étant fait, voyons voir s'il y a d'autres gens sur cette petite île. Il semblerait que non. Voilà. Ça c'est fait, et donc apparemment faut que j'aille par là. Non. C'est très pratique parce que... Ah voilà, c'est par là. Il y a des people. Alors bon, là j'en ai pas mal à faire. Vous êtes chaud. Je vais essayer de les enchaîner. HS. Ok. Hop, je me route. Ok. On a 4 armées qui sont dans le coin. Ah, d'accord. Je perds des hommes dans une épidémie. J'y suis, la chauve-souris est de retour. Deux de mes hommes surveillent des mouvements. Tu es mort. Mais attention, ah. Ils sont incontrôlables. Et on l'a gâché. Facile. Oh là là là. Je prends cher. Bonjour. Ah désolé, au revoir. Bon, on reste de là-haut. Ding-dong. Le directeur Joker voudrait annoncer qu'en raison du Jupiter, tous les gardes d'Arkham ont été renvoyés. Je vais pas mourir là. Ah non. Non. J'aimerais remercier mes fans pour leur soutien indéfectible, mes amis qui sourient toujours, et enfin, et surtout, les gens de Gotham que je verrai très bientôt.
Mais non, mais non. Comment je me suis fait dézinguer? Je suis là. Ok. Oui. C'est bon, c'est ça. J'y suis. La chauve-souris est de retour. Deux de mes hommes surveillent les mouvements dans les tours de Guise. Mais attention, ils sont incontrôlables. Et on l'a gâché. Facile. Et tu sais, ils c'est vite arrivé. Ça arrive vite, oui, je sais, les accidents, ça arrive vite. Surtout avec tes hommes, le Joker. Chut, c'est fini, mon truc. C'est fini. Voilà. Hop, une petite cassette. Entretien avec un patient enregistré numéro 17. Le Joker reste peu coopératif. Mon ancien diagnostic reste vrai. Je crois qu'il aime trop sa personne. Quoi de neuf, Doc? Aujourd'hui, essayons quelque chose de différent. Vous allez faire rougir, Doc! J'ai une petite amie! Le docteur Quinzel, je sais. J'ai vu les enregistrements. J'ai vu ce qui s'est passé. Que dire? Je suis un chanteur. Passons. Je pensais qu'il serait bon de parler de votre enfance. Déjà entendu parler de romance, Doc? Je ne lâche pas les infos comme ça. Faites plus d'efforts. Que cachez-vous? Vous ne m'avez pas entendu. Grattez-moi le dos, Doc, et je ne vous emballerai pas dans du plastique. Et je ne vous jetterai pas dans un caniveau. Et pas de garder un œil sur tout rongeur volant du roi. Rongeur volant. J'ai entendu dire que l'asile en était infesté. Continue comme ça. Ah ah. Une porte ah, de l'autre côté. Appelez les gendarmes 45 si vous voulez rater votre lancée. This is beautiful. En même temps, ce qui risque d'être très chaud, mais qui devait être faisable. Ah, je vais manquer de peu. Ah. Ma vie me permet pas. Ah là là. Je l'ai manqué de peu. Ici le Joker. Maintenant que je suis le directeur, j'aimerais avoir vos appréciations sur cet endroit. Je suis particulièrement fier du décor et j'espère qu'il vous aide à être plus productif. Sérieux? Non. Ah ouais, quand même. Je l'avoue, je te croyais plus fort. Pourquoi j'ai pas un sniper, moi? Je les aurais descendus. Pourquoi j'ai pas le droit d'avoir une arme? Je sais pas, une arme avec des seringues pour endormir. Ce serait gentil. Il a tout plein de gadgets, mais il a pas une seule arme à feu potable. Je perds des hommes comme s'il y avait une épidémie. J'y suis. La chauve-souris est de retour. Deux de mes hommes surveillent des mouvements dans les tours de Guise. Mais attention, ils sont incontrôlables. Et on l'a gâché facile. Et tu sais, les accidents. Autrement.
Alors déjà je vais aller de l'autre côté là, parce que j'ai vu il y avait un truc intéressant. Voilà, t'as plus d'armes. Ah c'est fini. C'est fini. Bon, je prends la cassette que je vais passer parce qu'on a déjà écouté. Entretien avec un patient enregistré numéro 17. Le Joker reste peu coopératif. Mon ancien diagnostic. Ici le Joker. Maintenant que je suis le directeur, j'aimerais avoir mon appréciation sur cet endroit. Je suis particulièrement fier du décor et j'espère qu'il puisse être plus productif dans notre tâche de prise de contrôle. Ah ah. Bon bah c'est fermé. Ah, magnifique. Oh, bonjour les gars, c'est moi. Rappelez-vous de prendre soin de tous nos otages. Morts. Toutefois, un bleu par-ci ou une entaille par là. Ah, ça, je les ai eu. J'ai eu les deux. C'est parti. Mais je les ai vus. C'était limite dans le niveau du temps. Donc j'ai eu des points. Je fais un petit lag. Bon, c'est pas grave. Oui, oui, désolé. Hein. Je peux. Bon. C'est là, faut que j'arrive. C'est d'après la carte, je crois que j'ai. Okay. Eh bien. Qui voilà? Ouais, le vilain Batman. Allez mon grand, viens nous chercher. Ah, regarde-le, coincé là-bas. T'as pas un chat à aller descendre d'un arbre? C'est ça. Continue. Allez, on contrôle tout. Le Joker va t'éliminer. Il m'empêche surtout de rentrer là, en fait, les portes de sécurité. Finalement, se lancer ne sera pas inutile. Puisque, alors, c'est le 3. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Il y en a toujours un. Je n'ai qu'à regarder autour de moi. Là. Voilà. Je vais faire un petit tour aussi sur le toit. C'est toi qui est vraiment un secret. Oh. Voilà. Regardez si ça ne pourrait pas s'exploser. Tiens, là, voilà. Forcément, il y aura un truc qui traînait. Allez. Encore un secret. Oh, tu as trouvé celui-là. Désolé, ce n'était pas un défi très dur. En fait, tous ces défis sont pas durs. Il n'arrête pas de dire ça. C'est chiant. Méchant. J'ai peine à les trouver, ces défis de merde.
la même chose de l'autre côté. Non, je peux pas aller, je peux vraiment. Hop là. Et ben, on monte dans le conduit d'aération. Ouf. Alors. Stupidupidou. Ouais, incroyable que Batman soit parti. Ouais, ce lâche est parti en boitant la cape entre les jambes. S'il essaie de revenir, je m'en occupe. Il n'aura aucune chance. C'est Batman! Hein? Donc, j'ai été pas doué sur ce coup-là. Mais t'es fou, pourquoi t'as laissé ton arme au sol du coup? Tu vas saigner, Batman. Ah. Eh oui, moi je suis pas une personne normale, je crains pas les escaliers à pied. Yeah. Ah ah. Très utile. Je vois un peu rien. Bien, je crois que c'est devant cette grande statue que nous allons nous laisser. Donc, ben, abonnez-vous, allez voir le site web, likez la page Facebook, suivez-moi, donc c'est @legendaire45 sur Twitter. Et puis suivez les informations de la chaîne, quoi. Allez, au revoir, bye.